Bonjour Aurélie, Bonjour Marie. est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Aurélie Bouillaguier et je suis gérante de la salle, le studio Vitaform qui se trouve à Auch dans le 32, le Gers. Une salle dédiée aux femmes, c'est 100% girly et 100% cours collectif. Depuis quand as-tu mis en place le fly art au studio Vitaform? J'ai mis le fly art en place il y a 4 ans. Il faut savoir que la salle a 10 ans. Elle s'est installée dans cette nouvelle structure il y a 5 ans, qui offrait la possibilité d'accrocher, voilà, je m'étais dit des TRX ou pourquoi pas des tissus. Quelle était ta volonté en fait pour mettre ce concept en place? En fait, j'avais vraiment envie de me démarquer de la concurrence. Étant un studio 100% femme, j'avais envie de quelque chose qui leur ressemble, qui leur touche, quelque chose d'assez féminin et de beau à voir, d'esthétique. J'avais envie d'attirer de nouveaux prospects dans la salle, des personnes qui n'appartiennent pas peut-être au fitness. Combien de cours de fly art tu as au studio Vitaform par semaine? Alors, j'ai 4 cours adultes, 2 cours enfants le mercredi et on va certainement en rajouter un supplémentaire pour les enfants l'année prochaine. Quand sont tes cours du coup dans la semaine au studio? Quand j'ai décidé de rajouter cette activité, le planning étant vraiment surchargé déjà de beaucoup de cours de fitness, il restait disponible que des créneaux qui ne sont pas évidents à compléter et qui pour moi posaient souci parce qu'ils n'étaient pas assez fréquentés à mon goût, c'est-à-dire les cours du soir, mais le dernier créneau assez tard, ou alors le lundi matin assez tôt. Donc du coup, on a tenté le coup et puis en fait très vite ça s'est rempli parce que le caractère exceptionnel de l'activité fait que les gens se déplacent peu importe l'horaire. Donc moi ça a vraiment augmenté le nombre d'adhérents sur ce créneau-là qui était un peu pauvre. On avait un peu de mal à avoir voilà, 5-6 personnes. Donc là, le créneau est plein. Et après, les cours enfants sont le mercredi début d'après-midi et ça marche bien également. Et comment tu commercialises le flyer dans ta salle? Alors, c'est un système de cartes de 10 cours, de 20 ou de 50 cours. Tu peux me dire quel est le pourcentage d'élèves qui pratiquent le flyer dans ta salle? Il y a à peu près, on va dire, 20% des élèves du studio qui pratiquent le fly art. Et souvent, c'est exclusivement le fly art. Est-ce que la mise en place du fly art a répondu du coup à tes besoins? Mais oui, je pense que je me suis démarquée complètement grâce à cette nouvelle activité, que de nouveaux prospects sont arrivés au studio avec une belle visibilité, quelque chose d'assez extraordinaire. Et on parle du studio. Beaucoup parce que le fly art est là. Donc ça, c'est très, très chouette. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de particulier, quelque chose à nous dire qu'on n'aurait pas vu dans ce témoignage? Suis entièrement satisfaite par cette nouvelle activité et j'espère qu'on pourra offrir d'autres créneaux encore et que d'autres visiteurs viendront découvrir l'activité. Moi, en tout cas, je l'adore la pratiquer et l'enseigner. Merci Aurélie pour ton témoignage. À très bientôt. Avec plaisir, Marie. Ciao.